Regardez-moi ça. En plus, regardez comment le truc est décoré. Oh, avouez, vous êtes jaloux. C'est magnifique, je trouve. Voilà, c'est décoré. En plus, regardez, la carte, elle brille. Regardez, il brille. Oh, les effets spéciaux de fou. Duel, let's go. Allons-y. Allez, moi, j'ai hype. J'ai hype à l'infini, mesdames et messieurs. J'ai la overhype. Alors, qu'est-ce que j'ai comme main? Oh, j'ai une main potable, en fait. Bon, j'ai un Monster Rebound qui va pas servir en début de partie. J'ai un dieu... j'ai une bonne main, mais il me faut au moins un sliffer dans le cimetière. Donc, en fait, c'est un peu une main de merde. C'est un peu la panique, on va pas se mentir. Mais let's go. Tout va bien. L'adversaire réfléchit, évidemment. Et il ne sait pas qu'il a déjà perdu. Omae wa mo shinde. Rock-O ne sait pas qu'il a perdu, bien sûr. J'ai un deck qui counter un peu la méta. Oh! Bah, j'ai joué rapide. Rovitasaurid, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, mais j'active! Cancre la max, let's go! Qui, évidemment, aujourd'hui, va pas me tuer hein. On se rappelle tous de la trahison de Cancre la max. La trahison ultime et divine de mon Cancre la. 3, qu'est-ce que ça fait, 3? Censé faire quoi? Ah ok, il peut invoquer des monstres de niveau 3, ok je vois. Toi mon deck, terrain baron de fleurs, grosse lame épée, oh putain, Negate Phoenix, j'ai tout réussi cette fois, c'est putain, mais mon dieu, mais c'est Tom. C'est Tom des Didier Lebon qui a des decks beaucoup trop forts en fait. Et après il s'étonne que je veux pas jouer contre lui. Il s'étonne que le mec, je me chie dessus en fait. Oh un pendule, ah j'aime pas les pendules, j'y comprends rien. Et c'est très très fort pendule en plus. Vous savez quoi moi? Ah je vis bien, j'ai un force power un force power violent, voilà. J'ai une machine du vide. J'ai mon cancan la max dans le cimetière. J'ai mon seigneur prison divine qui peut être sympa mais il faut que j'active un effet de carte. Enfin un effet de carte magie piège. J'ai oh! Oh! J'ai mon mode sphérique! J'ai mon mode sphérique! On va s'amuser! Ah j'ai plus mon mode sphérique. Ah dommage, je me suis auto-hype. Je me suis hype pour rien. Ah! J'ai mon mode sphérique, let's go! Parfait! Parfait, parfait! Et en plus, j'ai un surnage. Ok, on va pouvoir virer toutes les magouilles. Ah, je suis content! J'ai pouvoir activer mon mode sphérique et cuck cet adversaire! Yeah! Trop bien! Écoute, c'est un deck vitesse roïde, mais peut-il faire face? Peut-il faire face à mon deck Sliffer Ultime of Doom de l'Apocalypse? Niveau 6 a été sélectionné. Ah, et du coup, je peux invoquer plus 6 monstres, je crois. Je ne sais pas comment marche les decks. Je sais pas comment marche les cartes pendues, je vais être sincère. J'ai une très bonne main et j'ai un plan B. Pensez à la maraille contre la épée baronne des fleurs et tout ça. J'espère que t'as un plan D. Hein. J'ai pas de plan D. J'ai pas de plan B. J'ai pas de plan. Ah, ah, baronne des fleurs. Ah, panique. 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 Ah. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, vous en faites pas, je vais extrêmement bien. Ok. Think, Jet, think. Ok, réfléchissons avec intelligence et parcimonie. Sur les seigneurs d'or, il va activer son effet de baron des fleurs, du coup il va me coq ma carte. Attention, je vais envoyer mon dieu salé s'ajuster. Think. J'envoie cette carte au cimetière, ça marche ou pas? Elle va annuler mon effet, ça c'est normal. C'est aussi simple que ça? J'avais autant de pouvoir dans mes mains depuis le début? Pardon? Comment? Le mec il a paré son écran, il a fait clic droit! Et bah, Monster Reborn, tu sais quoi? Tu sais quoi? Monster Reborn, et en plus, tu sais quoi? À moi! Allez hop! Comme Ir! Voilà, qu'est-ce qui se passe? Y'a un problème? Y'a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, vas-y, Cancre la max, mec, t'es mort. T'es mort, frère. T'es finito, je te vole ton monstre. Mais même pas... Mais oui, il a directement envoyé sa carte à la mort. Allez, hop, à moi. Yonk. Yonk. Oh là, la baronne des fleurs dans mon terrain. Si ce n'est pas magnifique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Une fois parti, vous vous souvenez... J'active pas l'effet, vous en faites pas. Je vais activer l'effet de mon sœur prison divine, parce que... Why the fuck not, bien sûr.
Je vais faire une chaîne avec mon dieu sacré ressuscité. Du coup, je bannis ma carte et j'récupère un monster reborn. Parce qu'ici, nous sommes des saligots, bien sûr. Donc, commis un monster reborn. Yay, parfait. Prochain tour, j'récupère mon monster reborn. Je mets un force mer dans la nade et je mets une machine du vide parfaitement calée. Je peux aussi... Oh, je pourrais ramener... Je pourrais récupérer... Oh, bon, allez, baron des fleurs, ouais, je suis safe. Hein. Avec bar... Allez, hop. Attaque. Let's go. 3000 damage. Qu'est-ce qui se passe? End phase. Allez. Allez, moi je bois mon coca. J'ai plus de coca. Fuck. Non, par contre, ce mec qui récupère pas son... Mais ce mec qui... En plus, j'avais un plan B, histoire que... Vous en faites pas, j'avais un plan B. J'avais un deuxième surnommé senior. Mais il a pas activé son effet, j'ai pas compris. Voilà, je n'ai pas compris ce qu'il a fait avec sa baronne des fleurs, mais vous savez quoi, il est à moi. Voilà, j'ai récupéré sa baronne des fleurs, mais le fait que cette carte soit une carte, comment ça s'appelle? Ah. Ah. Eh bah non, je peux faire ça, non? Je peux annuler... Est-ce que je peux annuler... On est d'accord que j'annule l'effet de son... D'accord que j'annule l'effet de sa carte à elle, non? Alors, est-ce que... Je vais être sincère, est-ce que je vais pas prendre le risque de garder l'effet de ma baronne des fleurs au cas où s'il fait un vrai effet problématique? Parce que le sur les seigneurs d'or, je l'ai dans ma main encore une fois, je pense que je préfère économiser. Annule les plus gros dangers, exactement Chiobi. Donc je préfère économiser ma baronne des fleurs. De toute façon, en plus j'ai encore un sur les seigneurs d'or dans mon deck, je suis safe. Par contre j'aurais peut-être dû activer ma machine du vide pour balancer un gardien slime. Ça, par contre, j'aurais dû le faire. Sans ma faille. Ah là, qu'est-ce que tu fais? Hey, qu'est-ce que tu fais? Hey, qu'est-ce qui se passe? Sans ma faille, j'active. Alors, si j'active la machine du vide, est-ce que. Quelle carte je peux virer? Bah, je pense que je vais virer un galant slime. Je pense que je vais virer un galant slime. Parfait. Comme ça, ça me permet de piocher une carte supplémentaire. Enfin, deux cartes supplémentaires, techniquement, parce que galant slime dans le cimetière me permet de piocher une carte en rapport avec un dieu égyptien. Oui, si tu veux, vas-y, aucun problème. J'invoquerai pas de monstre sur ce tour-là. Donc, claque ta carte. Il n'y a aucun problème. Donc, Monster Reborn. Et en plus, j'active l'effet de mon gardien slime qui permet de récupérer. Alors, je vais venir récupérer. Oh, bah parfait! Bah, regardez tous Goopy! J'active mon seigneur de la prison divine. Ce qui fait que, bah, du coup, j'ai des monstres de niveau 3. Donc, on est parfait, regardez ça. J'invoque mon seigneur de la prison divine en mode attaque, bien sûr, parce qu'ici, on est based. Ouk, merci, et je pose une carte supplémentaire. Mais, on est parfait. On est parfait. Je vais poser quoi? Je vais poser ça, vous savez quoi? Oh là là là. Je vais venir récupérer un chat ancien pour venir récupérer un dragon et deux rats. Je connais rien de ce genre de gars. Le mec, il est complètement schnapps. Hein. Faut faire attention, vous pouvez cibler un monstre avec niveau 9 dans votre cimetière, envoyer de cartes extra, et si vous le faites, invoquer... Sérieusement, c'est cool ça. Putain, mais la baronne des fleurs, c'est trop fort. Du coup, je peux... Ah. Oui, bon, c'est un cancan la max, on dit pas non à un cancan la max. Ah. Ah. Oh le move! Oh le... Mais le move de 2000 de QI, mesdames et messieurs! Oh le move! Je sacrifie une baronne des fleurs pour invoquer! Pour invoquer un cancre la max. Ah, c'est du génie. Ah, c'est du génie. Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème? Cancre la max, base meta. Mais il est des cartes, mais je les lis, tout ce que je comprends pas. On va juste prier pour qu'il puisse pas invoquer, en fait, invoquer la baronne des fleurs tour 2, parce qu'après, je suis dans la merde. Là, j'avoue. Ah non, c'est mon cimetière, ça va. Il va refaire sa strat. Il va invoquer ses cartes, du coup il va pouvoir me invoquer une baronne des fleurs. Je crois que j'ai fait de la merde. Je vis bien. Je vis bien. C'est marrant, on s'amuse. Et il va invoquer sa baronne des fleurs. Je vais refaire sur Nalish, vous savez quoi. Moi j'ai réactivé mon sur Nalish. Dans le doute, le mec, capoute, tu vois. Donc en vrai, moi, je vis bien. On fait voir par exemple des fleurs que je puisse la relire. Je peux pas relire par exemple des fleurs, Zericorne.
peut arriver à tout moment, tu le royon que ça va en effet. Mais oui, c'est ma stratégie. C'est ma stratégie primordiale, mesdames et messieurs. La stratégie de Yunk, la baronne des fleurs. Bon, du coup, il va ravoquer baronne des fleurs. Vas-y, DeWitt. Je te regarde, vas-y. Allez. Fais attention. Oui, je connais baronne des fleurs. T'en fais pas, Didier Lebon. Il faut juste que je fasse gaffe. J'avoue que maintenant que j'ai plus mon surnaliste, c'est un peu la misère. Mais en vrai, je vis bien. Je vis bien, c'est marrant. Ça me fait marrer, hein, sincèrement. Je joue pas ma vie sur cette partie. Mec, à part de jouer sa vie non plus, hein, vu qu'il a mis ce play en début de partie, ça baronne des fleurs. Mais je vis bien. Hop là. Par contre, j'avoue que le misplay baronne des fleurs, que le mec l'a pas fait gaffe, c'était génial. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc à la tête. La question, c'est peut-il invoquer sa baronne des fleurs maintenant? Si oui, j'avoue que ça me ferait un peu chier. Sinon, j'avoue que ça m'arrangerait. Parce que je pourrais du coup claquer mon dragon atmosphérique. Je pourrais, avec le champ ancien, pouvoir récupérer un dragon Edora de manière simple, efficace et meurtrie. Donc, à voir. Et à mon avis, Baron des Fleurs. La musique est trop bien, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, la musique est trop bien, hein, je m'éclate. Hein. Vraiment, ce Duelist Cup, il est fun. Ah, pour l'instant, je suis pas encore tombé sur des lames épées, baronne des fleurs. Comment ça s'appelle? Dragon Trisieux, je sais plus comment ça s'appelle cette carte terrible. Serpent yeux, je crois. Oh bon. 4 cartes, ok. Qu'est-ce que tu comptes m'invoquer, Gugnafier? Ok. Ce qu'il fait, mais il fait des choux. Que fait des cartes un peu, fais voir. Il a un mur China, ok, il a son truc. Snake Eyes Jet, merci Zéophafer, c'est Snake Eyes. Pour l'instant, je suis pas tombé sur ça, donc en vrai, je vis bien. Elle est trop bien cette musique, je suis désolé. Je m'éclate comme un con, mais elle est trop bien. C'est hyper le trop, bah non, Lichium, il est pas fini. oh, t'es stylé toi comme carte. T'es stylé, mais je pense que je vais vite regretter de te trouver stylé. Commande au niveau minimum niveau 5, activation d'effet terrain, vous pouvez annulation, et si vous le faites, détruisez de... Ah! Mais au niveau 5. Ah! Mesdames et messieurs, veuillez applaudir la baronne des fleurs. Elle va arriver sans plus tarder pour me cuck. Ah oui, ça a piqué, hein, ça a piqué fort comme il faut. Après, souvenez-vous, hein, j'ai un force miroir. Hein. J'ai un force miroir. Après, Baron des Fleurs, ça annule la carte, je crois, mais... En vrai, une moto, ok. Il m'a invoqué une moto, ok. Ah, tu peux penser à un juste ainsi, c'est bien. Ah, c'est chiant, ça, par contre. Ah, c'est très chiant, par contre. C'est très très problématique. Et qu'est-ce qu'il fait? Ok, ma voix de deck synchro. Ce sont des cartes qui viennent de. C'est pas des cartes, on est d'accord, c'est pas des cartes qui viennent de GX, ça, si? Parce que elles sont sympas en vrai, j'avoue que je les aime bien. Exactement. They see me running! Look at me, I'm a running motor crew. Génial. Salut, bonsoir Gwen le geek fou. Et bienvenue sur du fun, mesdames et messieurs. Alors que le jet est complètement perdu. Ah, 500 damage, je prends la marque, je vis bien. Let's go. Alors que je suis complètement dévissé et j'ai sacrifié une baronne des fleurs complètement gratos pour le fun sans regarder les effets de cartes. Nous amusons. Ok, ravoque son dragon, pourquoi pas, vas-y. Et de Hugo, je crois. Il me dit absolument rien, Hugo. J'avoue qu'il me dit absolument rien, Hugo. Il fait 2, ok. Donc il va pouvoir détruire 2 de mes cartes, si j'ai bien compris. Et se booster aux hormones. Et comme j'ai dit, j'ai le force mirandum violent. Plus je sais se ressusciter, donc je suis un peu safe. Sauf que mon moto dragon. Ouais, après le problème, j'avoue que si j'active mon. Le problème, c'est que si j'active mon dieu, c'est ressuscité, il va piocher 6 cartes en fait gratos.
Eh ben, disons que le problème a été résolu. Bah voilà, parfait. Déjà, tu me prends la tête, hein, mais comme pas possible, c'est terrible. Alors que simplement, il peut détruire ma carte. Parfait. Ah, le bâtard. Non, en vrai, je vais bien parce que je crois pas que j'ai pas de sliffer, en fait, donc ma carte servira à rien. Elle me sert plus en cimetière, en fait. Bon, je vais prendre tarif. Malheureusement, sauf que... Kokoda, j'active Force Miroir Violent. Youing, tes cartes reviennent de ton terrain à ta main. Let's go, let's go. Qu'est-ce qu'il y a? N'empêche, j'aimerais quand même qu'on note que le mec a laissé buter sa baronne des fleurs et que moi en contrepartie je vais redonner sa baronne des fleurs. C'est génial, c'est absolument incroyable. T'as assez fort ton civière? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'en fait il m'a ultra aidé en virant cette carte. Ah, c'est génial, c'est absolument incroyable. C'est ça qu'on aime, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on adore. Je rappelle, suprématie Sliffer, hein, bien sûr.